Toi, c'est concentré dans l'image haute d'abord. Hein? Maintenant, vous avez vu que dans l'église, il y a une image haute. Maintenant, dans l'église, est-ce que vous avez une image haute? Je pense que c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous avez vu qu'il faut qu'il y ait bang bang ou donc dans l'axe yo image oyo na Bible t'as la verset oyo tanga na biso hein? Apocalypse chapitre 1 verset 1 t'as la ngona Bible madame hein to banana verset 1 après to kina verset 14 la révélation chapitre 1 verset 1 la révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu pour faire connaître à ses serviteurs toutes choses qui doivent arriver bientôt. Donc, la révélation de Jésus-Christ. Toujours révélé Jésus-Christ. Hein? Donc, chapitre Oyo, et Edebiso, Toye Badengenini, Jésus-Christ, à mon ami. Hein? Quel est le verset 14? Révélation, chapitre 1, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Donc, ses têtes et ses cheveux étaient blancs. Donc, ils étaient blancs comme de la laine. Omoni, laine est à tercier, Anini. Oyebi meme. Et ça texte ya meme biso ba noir to za kana na souki ndenge ya lin hein donc Jésus-Christ za ki pe na texte souki na za ki texte wana pe hein tala et comme la neige et ses yeux étaient comme une flamme de feu donc za ki blanc comme de la laine et puis ses yeux c'était comme une flamme de feu ce que to zo mona description na Jésus-Christ et ça to tangango continue. Ses pieds étaient semblables à de l'airain le plus fin. Donc, ses pieds étaient semblables comme quoi? À de l'airain. De l'airain. L'airain, ils ont couleur, ni maman. L'airain, ils ont lu image à bronze. Image à bronze. Maintenant, là, l'axe est où? Et là, comment vite fait. Hein? T'as là, l'axe est où? Bronze. T'as là où, maman? Amen. Hein? Amen. T'as là. T'as là, tourné. Tourné. T'as là, image. Omoni bronze. Omoni posoya, na yo zane ti bronze. Omoni. Ok, ça va. Continue. Et sa voix, comme le bruit de grandes eaux. Madame, calmez. Zoa flyer. Maintenant, Zala calme, hein. Parce que biso na église na biso to ganga ka boété hein wana isa esprit d'esprité hein isa esprité so to ganga bo isa esprité konsala concentré tala li verset 14 encore sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme la neige et ses yeux étaient comme une flamme de feu. OK madame o moni dengo ganga bo o kan sa ke isa saint esprit mais isa saint esprité so ki o tangi acte chapitre 2 verset 1 à 4 et nini qui est grand bazar qui go sala na ba tong et za qui na ba langage li susu oyoka et za qui ba bruit a boété ou bien ba on ganga pamba boété et za qui boété hein madame s'il te plaît photo de la Bible bien parce que tu as confusion na église hein oyokinga amen. OK merci donc lelo oyebi vrai image à Jésus-Christ hein. Avant que Okende, verset Moko Kaka, hein? Acte chapitre 2, verset 1. Le livre de Acte, chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous en accord dans un même lieu. Alors, il se fit tout à coup un bruit qui venait du ciel, comme le bruit d'un vent qui souffle. Avec impétuosité, et il remplit toute la maison, et ils étaient assis, et ils virent paraître des langues séparées. Des langues séparées, non? Oui. Donc, langues séparées, ils ont l'obanini, ngana ou l'oba linga la siko. Nako kene na France, nabanina l'oba français. Nake na Angleterre, na l'oba anglais. On m'a dit, mais ils ont ba kakakra boete. Wana ils ont sans disputer. Quand ils ont l'axabiso ba tang moussousou, et là, ça dit que les Akinini, la langue est sous. Ok, maman. Hein? Amen. Okay, amen. Merci. Donc, tu as la tanga broche, oyo, hein? Tanga go vraiment bien. Kende na site na biso eza awa. Et puis, yoko la identité na yo. Jésus qui sa mouta mouindo. Ça va? Loba. Je peux parler? Loba.
en 2005, le 5 avril 2005, l'esprit est venu chez moi. Il m'a parlé. Moi, je venais dans le monde. Je ne connaissais pas les choses de Dieu. J'étais catholique par mes parents et j'étais aussi baptisée. Et j'ai eu la première communion à 11 ans. C'est alors que je ne fréquentais pas les choses des églises. Et c'est alors, si j'ai une robe nouvelle, je pouvais aller à l'église catholique. Ma fille, j'ai été hôtesse d'accueil à l'IMETE, chez le Blanc. Monsieur Joie, Monsieur Joueur, Madame Joie, Monsieur Boulet, Madame Boulet, Madame Pakabomba, c'est une blanche, une belge, qui était mariée avec un Congolais Moulouba. C'est alors, c'était mes professeurs, Monsieur Perkin, aussi, qui nous donnait l'anglais de UK, à Kinshasa, à l'IMETE, 13e rue. Un jour, j'étais brillante, mais j'étais turbulente. Un jour, je me suis décidée, après avoir reçu mon examen d'état, j'ai un peu travaillé là-bas, au pays, chez le Blanc. Alors, je me suis décidée de venir en Europe en 1990. Maman, il y a un cabisso siko, hein? Il y a un cabisso siko. Tu y a une histoire, hein? Tu as une histoire, tu as une histoire. Tu as une histoire, Mais les plus importantes histoires, c'est l'histoire de notre identité dans la Bible. Il y a quatre histoires, mais c'est très important. Parce que dès que tu as un groupe, tu as une brochure, tu as une information plus importante dans le monde. Qui est Nini, Jésus-Christ, tu as une identité dans la Bible, tu as une Congolais, tu as une Israël. Il y a un message. Identité dans la Bible. Moi, je reçus la révélation en 2005 pendant 9 jours. Ok. Donc, maman, t'as là. À la voix audible. Audible, c'est la voix haute. La voix comme ça. Ouais. La parole. Okay. Quand la parole fait des échos, c'est ça audible. Donc, yo, yébi qui t'as banné Israël. Oui. Parce que mon papa. À l'époque, mon papa disait que nous sommes venus de l'Égypte, nous, les Bambunda. Okay. Les autres sont restés au Cameroun et les autres au Gabon, les autres sur le plateau des Bateke. Donc, Bantu, Basaï qui travaux en a. Amen. C'est mon père qui disait ça. Mais ça, tu es égyptien, mais tu n'es pas en Égypte. Tu es libre, juif. Tozaba juif. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est mon papa qui disait déjà ça. Ouais. Quand on parle de l'Égypte, c'est les juifs. Ça va. Na l'action de Siko. Hein? Maintenant, biso tozaba juif, Siko. Toyebi, wana. Maintenant, oyebi ke. Nathan Oyo. Parce qu'on est les jours de fin. Tozan a grand réveil, maman. Hein? Et tozan a grand réveil. Calme, maman. Nini. Ma colo, ça va pas si. Ok, ça va. Vous allez bien? Ok, yoka. Hein? Yoka, si qu'on a l'oba, hein, toi aussi ça bientôt, ok? Si qu'on a l'oba, tu as un grand réveil, si qu'on. Grand réveil, yo, l'axanini, que biso, bah, Congolais, bah, Africains, toi, yoka la ke, tu as un ban à Israël. Maintenant, on a perso verset moko avant que au kende, hein? Kende na, Actes chapitre 3, verset 19. Amendez-vous donc, et vous convertissez, afin que vos péchés soient effacés. Donc, point d'abîme de toute Isaac, qu'il faut te repentir, hein? Faut te repentir, faut te zonger la nationalité, l'abîme, l'identité, l'abîme, te zonger la Zambie, hein? Yango, parce que yo yebi que tu sabas vrai juif, vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Alors. Club of that at. That was. Admit that a lot of people don't even realize that. I've called her, she hasn't responded. I've called her more than a few times. But the Zulu nation, I'm like, what the hell is this? I know nobody know what I'm talking about. You're leaving me on the island by myself. I don't know what the hell Bishop's talking about. That's what y'all do. Didn't have to class. Yeah, I knew what you were talking about. I just didn't want to be caught out there. The hell is this? Get on my damn nerves. So read that again. 31. What is the nation? Nation is men leading by example.
Information is community.